Bonjour, moi je suis une simple maman. J'ai pas de diplôme en doctorat en sociologie, en éducation ou quoi que ce soit. Moi je suis catholique, je suis pratiquante. C'est ce que j'enseigne à mes enfants, c'est la religion dans laquelle j'ai grandi. Je crois que je suis quelqu'un qui est ouvert sur le monde, que je respecte tout le monde, que je suis capable de parler puis d'être ouvert sur les gens, peu importe leur religion, leur race, leur couleur. C'est ce que mes parents m'ont appris. J'ai pas, puis à l'école, c'est ce que j'ai appris également. J'ai pas eu besoin d'un cours d'éthique et de religion pour apprendre ça. Puis c'est ce que j'apprends à mes enfants. À la maison, c'est de Dieu que je parle. On va fêter en décembre la naissance de Jésus. Vendredi, à la télévision, à la radio, les médias, il y avait leur... Ils ramassaient de l'argent pour les gens qui sont plus démunis. On entendait parler le bien-être de tout ça. Comment que le monde sorte à ces moments-là, puis comment que la bonté des gens, puis tout ce qu'on peut en retirer également, nous qui donnons. Puis ça, c'est fait dans le cadre de Noël. Puis Noël, c'est la naissance de Jésus. Yes. Oui. Puis c'est ça qu'on est après. C'est ça qu'on est après à enlever. C'est pas juste de dire qu'on sort notre cours de religion de l'école. Qu'ils sortent, on est capable d'amener nos enfants à l'école. À l'église, je veux dire, c'est pas difficile de faire ça. Puis c'est ce que je fais, moi. Mais moi, je veux que ça se perpétue dans d'autres choses également. L'année prochaine, ils fêteront peut-être plus Noël comme on le fête présentement. Puis ça, je trouve ça triste. On parle de notre identité de Québécois. C'est pas juste notre langue, c'est pas juste notre race, c'est pas juste notre culture. C'est également ma croyance, ma religion qui est catholique. Puis moi, je veux que mes enfants grandissent là-dedans, comme moi, j'ai grandi là-dedans, puis qu'ils perpétuent à leurs enfants également. Fait que moi qui présente leur cours de culture et de religion, qu'ils le présentent, mais qui me donnent le droit à moi, en tant que parent, de décider si je juge que c'est correct pour mes enfants. Mes parents ont eu ce droit-là, je l'ai eu et je l'ai jusqu'à l'année prochaine. Mais là, ils me l'enlèvent. Je ne suis pas d'accord. Après ça, quoi d'autre qu'ils vont décider de nous enlever comme droit? Tu sais, c'est une porte qui est ouverte, là. Fait que je crois qu'il est important qu'on se batte pour nos croyances, puis qu'on sorte, puis qu'on le dise, ce à quoi on tient. Puis c'est important. C'est notre identité à toutes nous autres. C'est juste ça. Merci.